Bienvenue à toutes et à tous au Country Hall de Liège, une salle habituellement dévolue au basket. Ce soir, elle sera le théâtre du plus grand gala de boxe de la saison en Belgique. Et pour nous accompagner tout au long de la soirée, nous avons la chance une fois de plus d'avoir notre consultant de luxe, Patrick Vongbo. Alors Patrick, vous avez eu une longue et belle carrière chez les professionnels. Vous auriez peut-être aimé boxer ici dans cette salle ? Ah, c'est vrai que c'est une super salle. Les installations sont géniales. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de boxer dans de grandes salles. C'est toujours bien d'avoir, quand il y a un peu de public, une ambiance un peu chaude. Et aujourd'hui, c'est génial parce qu'on a une belle soirée. Il y a quand même 9 combats professionnels, ce qui est quand même une grosse performance. C'est étonnant en Belgique quand même, c'est rare même. Vraiment très rare, ouais. Alors pour nous parler du programme, nous avons à nos côtés Alain Van Acker. Il représente Eurobox, il est le co-organisateur de cette magnifique soirée. Alors Alain, vous avez décuplé vos efforts pour nous offrir ce soir un programme absolument exceptionnel. Voilà, mais le projet vient un petit peu de l'association qu'on a eue avec Béa Diallo Promotion et l'Avenue du Pays de Liège. Ici, on a la chance de pouvoir présenter au public 3 championnats internationaux, un championnat du monde WBF, un championnat intercontinental et également un championnat de la communauté européenne. C'est une première en Belgique. Et puis la soirée sera complétée également avec des boxeurs que l'on connaît sur Fight Night Extra Round. Il y aura Jamel Baki, il y aura Geoffrey Batello, il y aura Nathalie Toro. Tous les meilleurs boxeurs sont présents ce soir. Mais voilà, aujourd'hui c'est un petit peu un passage de flambeau, c'est l'adieu de Béa Diallo à la compétition en Belgique, et il passe un petit peu le flambeau à l'élite de demain, Jamel Baki, Geoffrey Batello, Nathalie Toro et les autres qui sont sous la ligne actuellement. On va commencer cette émission avec un championnat de la communauté européenne. En première ligne, on retrouve Ermano Figatelli qui se présente et on le retrouve ensuite sur le ring. Bonjour, je suis Figatelli Ermano, je suis étudiant, j'ai 22 ans. Je suis étudiant à l'Université de Liège en sciences économiques. Je fais une maîtrise, c'est ma 5e et dernière année. Je passe mon mémoire cette année, j'espère que ça va bien se dérouler. Mais en même temps, je suis boxeur professionnel. J'ai la chance et l'opportunité de pouvoir faire le titre de la communauté européenne, qui est une grande opportunité avec ma courte carrière actuelle. Face à un Italien, champion d'Italie, avec une grosse carrière amateur, invaincu, et je vais ramener cette ceinture parce qu'il nous la faut. Le champion d'Italie, il s'appelle Antonio De Vitis, champion d'Italie chez les Superplumes. Il s'est donc déplacé à Liège ce soir pour affronter Ermano Figatelli, liégeois, 22 ans. Il dispute aujourd'hui évidemment son premier combat très très important. Une carrière qui pour le moment affiche 10 victoires, 2 défaites pour ce jeune boxeur. Plusieurs fois champion de Belgique chez les amateurs. Il a fait un très très bon passage chez les professionnels. Et là Patrick, on peut dire que c'est son premier véritable test. Ah ouais, ça c'est son premier gros test. C'est un 12 rounds donc... On va voir, c'est surtout dans la longueur. Je crois qu'il a dû bien se préparer et puis on attend beaucoup de ce combat. Combat pour la ceinture de la communauté européenne. C'est pas le vrai titre de champion d'Europe, mais c'est déjà un premier pas, en tout cas vers une consécration européenne. Oui, il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, dans la boxe, il y a beaucoup de titres qui sont, je dirais, un petit peu des titres qui nous permettent d'accéder à des gros titres. Donc c'est des, on va dire des sous-titres. Et là, par exemple, oui, s'il devient un champion de la communauté européenne, il aura peut-être accès dans les 10 premiers pour pouvoir faire le titre européen. Il sera beaucoup plus près d'un titre européen détenu pour le moment par le Britannique Alex Arthur. Un autre gros morceau, mais pour Ermano Figatelli en short noir, il faut d'abord bien négocier ce combat face à un adversaire qui a quand même des références. Antonio De Vitis, il a 28 ans, champion d'Italie chez les professionnels, mais aussi champion d'Italie chez les amateurs. Patrick, on connaît la boxe italienne. Pour arriver à être champion national là-bas, il faut déjà de grosses qualités. Oui. Être champion d'Italie, c'est un petit peu, on va dire qu'ils ont quand même, ils ont eu surtout à une époque un gros réservoir de boxeurs. Et ce sont des boxeurs qui sont, je dirais en général, il y a des techniciens, il y a des cogneurs. C'est un petit peu un mélange de tout et souvent très dur à boxer. Alors on peut dire qu'il y a 4 grands pays de boxe en Europe. C'est l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, c'est la France, c'est l'Allemagne et c'est aussi l'Italie. L'Italie, ça restera toujours un pays, je pense, où la boxe, c'est inné. C'est un peu comme, on va dire, le football, mais c'est vrai qu'en Italie, ils ont toujours eu l'un ou l'autre grand champion.
Alors, première reprise de ce combat pour la ceinture de la communauté européenne chez les super plumes. On est donc chez les moins de 60 kilos. C'est pas la catégorie, on va dire, naturelle d'Hermano Figatelli, puisqu'il est capable même de boxer chez les poids coqs. Mais il avait l'opportunité de disputer ce combat. Il a donc saisi sa chance, avec l'avantage sans doute de ne pas faire trop ceinture, de ne pas trop tirer la ceinture pour arriver au poids. Oui. Ce qu'il y a, il faut savoir, dans ces petites catégories, en général, on voit des combats assez rapides au niveau des bras, des touches, et souvent très très combatifs. Donc on risque de voir là un combat, on va dire, où les deux boxeurs risquent de ne pas se lâcher. Alors deux combattants très bien rentrés dans ce combat. On sent déjà qu'ils sont tous les deux très attentifs et qu'on est parti déjà sur un rythme assez élevé avec le jab d'Hermano Figatelli. Et j'ai l'impression qu'il est déjà coupé là, Antonio De Vitis. Petite blessure à l'œil. On voit un filet de sang couler sur sa joue gauche. Blessure à la première reprise. Là, c'est déjà un fait important de ce combat, Patrick. C'est un fait important parce que si jamais l'arbitre décide d'arrêter le combat ou que le médecin décide d'arrêter le combat, là, on va parler d'un no contest. Ça veut dire que comme on boxe pour un titre, il y aura une décision qui sera donnée et qui sera, on va dire, nulle. Parce qu'on ne juge pas le combat avant les trois premiers rounds. Ah, c'est ça. Si c'est passer trois rounds pour pouvoir dire que, par exemple, s'il a gagné les trois premiers rounds, eh bien, on va le donner vainqueur. Que ici, si jamais il est blessé, eh bien... Rappelons la règle, si cette blessure vient d'un coup de tête involontaire et que le combat est arrêté dans les quatre premiers rounds, ce sera un no contest. Et après les quatre rounds, on ira à la décision, donc au pointage. On retrouve le coin d'Hermano Figatelli. Alors on a vu quand même un premier round où ils ne se sont pas trop regardés, où ils ont déjà donné... c'est une belle coupure. Alors cette blessure, Patrick, elle semble quand même déjà être sous contrôle puisqu'on est en train d'appliquer là un produit vasoconstricteur pour empêcher le saignement. Elle n'a pas l'air trop large. Elle n'a pas l'air trop large, mais bon, c'est impressionnant. Quand on regarde de près comme ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Maintenant, on a des, on va dire des produits. C'est la vaseline avec... Et regardez, là, c'est le moment, Patrick, où... Il y a eu un coup de tête un petit peu avant, donc c'est bien une blessure, une coupure consécutive à un choc de tête tout à fait involontaire. C'est aussi le risque hein, quand on a deux boxeurs combatifs et qui avancent, on va dire pas tête contre tête, mais qui sont toujours vers l'avant, eh bien souvent on est blessé par des coups, soit de tête, soit des coups de coude ou les gants. Et là, c'est bel et bien un coup de tête et c'est un accident survenu à la première reprise. On peut dire que ce sont deux boxeurs en train de prendre leur marque sur le ring et que c'est pas étonnant du coup d'avoir des chocs de tête. Ceci dit, c'est l'Italien qui en paye le prix. Hein. Oui, mais c'est ce que je disais. Hein. On met de la vaseline. Dans la vaseline, il y a, on va dire, un pourcentage d'adrénaline pure qui arrête le saignement et qui permet de pouvoir continuer. Et maintenant, bon, par après, s'il faut soigner, bien, les médecins, par après, soit mettre des points de suture. Ça, c'est évidemment après le combat. Après le combat. Mais en attendant, on a pu voir que la blessure semblait être sous contrôle. En tout cas, cela ne doit pas trop gêner l'Italien. Non, là, on voit il n'a pas l'air vraiment gêné. Mais bon, dans sa façon de boxe, on voit qu'il va quand même, il avance encore. Donc on voit que non, il ne doit pas être gêné. Ouais, c'est la réputation d'Antonio De Vitis, boxeur superbe petit très offensif et qui va tenter de bousculer Hermano Figatelli en le faisant reculer. Mais Figatelli est quelqu'un qui a une boxe assez offensive aussi. Et je pense que ça va être un véritable bras de fer entre ces deux boxeurs. Et ce qui est beau à voir, c'est qu'on voit deux boxeurs avec les mains quand même bien en haut, qui se couvrent bien. Et qui travaillent chaque fois. Et là, le petit pas de retrait utile d'Hermano Figatelli. Ça, c'est l'intelligence, évidemment. Ne pas rester au contact autant qu'on peut, mais quand on sent que l'adversaire va remettre, là, il faut absolument être plus mobile. On peut dire que là, c'est le début de la marche en avant en italien. Ah oui, là, on voit tout de suite les positions. Et si on regarde bien, ça n'arrête pas. Hein. Depuis le début du round, il y a les coups pleuvent d'un côté comme de l'autre. Et ils sont tous les deux bien en garde. Ça ne touche pas vraiment, on va dire, encore. De manière claire et nette. Mais tout doucement, ils cherchent leur marque, ils cherchent leur trou.
Alors le rythme du combat, super, en tout cas, est déjà trouvé. Très bel enchaînement avec le crochet, super, au corps, suivi d'un crochet à la figure d'Hermano Figatelli. La vitesse de son bras gauche peut être une des clés de ce combat, Patrick. Oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est on les voit quand même fort travailler au corps et remonter corps face, ce qui est vraiment bien pour la suite du combat, puis c'est quand même un 12 rounds. Donc ça use l'adversaire, et là on voit. Voilà, petit uppercut, ils essaient de passer vraiment des coups partout, donc il faut bien rester fermé, hermétique, c'est super. Alors ce sont deux boxeurs qui n'ont pas encore énormément d'expérience chez les professionnels. 10e combat pour Antonio De Vitis, avec une seule défaite pour le moment. 13e combat pour Hermano Figatelli, mais on sent quand même qu'il y a déjà de l'expérience, en tout cas pugilistique, des deux côtés. Oui, ce sont d'autres au niveau amateur qu'ils ont été recherchés là. On va dire leur expérience, en ayant fait plus de combats, maintenant ils montent, ce sont des petits poids, donc ils sont. C'est une boxe beaucoup plus active, hein. Faut le savoir, c'est bien, c'est super. Alors les meilleurs moments de la deuxième reprise. Alors le travail au corps, et puis il remonte avec un crochet à la tempe. Alors c'est un des objectifs sans doute de ce combat, être actif le plus souvent possible, ne pas rester trop longtemps sans donner de coups. Ah, c'est clair, et on ne le dira jamais assez non plus, c'est souvent une des clés des combats en professionnel, c'est justement ce travail au corps qui use l'adversaire, qui fait mal à l'adversaire et qui permet souvent de trouver l'ouverture pour pouvoir toucher de plein fouet. Alors on a parlé du manque d'expérience encore chez les professionnels pour ces deux boxeurs, mais on peut dire quand même que dans les petites catégories, on va dire chez les moins de 60 kilos, on parvient plus vite à grimper dans les classements. C'est vrai qu'il y a peut-être en Belgique, on va dire surtout pour Hermano Figatelli, pas trop de concurrence, donc on est obligé d'aller la chercher au niveau européen déjà. Oui, c'est un petit peu le problème qu'on rencontre, on va dire pratiquement en Europe, parce que les petits poids souvent sont en Amérique latine ou en Asie. Donc là, il y a beaucoup plus de boxeurs, il y a beaucoup de grandes panoplies de boxeurs. Alors qu'en Europe, on va dire, les moins de 60 kilos, il y en a quand même beaucoup moins. Je crois qu'on a eu, nous, un très grand boxeur de l'époque, Jean-Marc Renard, qui... Bien sûr, qui reste vraiment, la référence de ces 30 dernières années. Il nous a fait vibrer. Et ici, maintenant, ben, Hermano aussi, on le voit bien, le travail, c'est quand même bien à voir. Très, très appliqué, le liégeois Hermano Figatelli. Un boxeur qui parvient quand même à conjuguer une belle carrière professionnelle et puis des études de très très haut niveau. Il nous l'a annoncé dans sa présentation, puisqu'il est en dernière année à l'Université de Liège en sciences économiques. Et là, eh bien on peut dire qu'on a encore augmenté le rythme. Alors il se plaint d'une poussée, l'Italien. Mais c'est de bonne guerre, hein. On est dans un combat là de plus en plus acharné, de plus en plus engagé. Et la moindre erreur peut se payer très très cher. Alors quand même, De Vitis, il a l'air d'être un petit peu gêné par le fait que Hermano est un petit peu plus présent, on va dire, la tête en avant, puisqu'il il marche, donc, et ça gêne un petit peu De Vitis. Et peut-être aussi le fait d'avoir reçu un coup de tête au début fait que il doit se méfier. Et très bonne remise, la droite avec la gauche pour terminer. Excellent round d'Hermano Figatelli. Là on voit, hein, il travaille au réflexe, il remet les coups immédiatement derrière. Oui, c'est magnifique. Ah, ça faisait déjà un petit moment qu'il attendait ce combat, Hermano Figatelli. Combat qui s'est déplacé puisqu'il devait d'abord aller en Espagne. Puis il est parti s'entraîner en France en attendant évidemment le grand moment. Et ce combat se fait dans cette superbe salle du Sartilmont à Liège. Dans une très très belle soirée, un grand moment pour lui. Et pour le moment, Hermano Figatelli est à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre de lui. Ah oui, là on voit, il arrive à placer des coups derrière les gants. On ne le dira jamais assez non plus. C'est très important de frapper, on va dire, pour toucher l'adversaire, mais pas dans les gants. Donc comme ils sont bien fermés, on avait deux crochets droits qui sont passés derrière le gant. C'est superbe. Alors dans le coin d'Hermano Figatelli, on lui dit que son adversaire ne veut pas reculer et qu'il faut être... on va dire très malin pour le boxer, aller au contact, puis bouger. Le forcer à se découvrir. Et là, on voit sur la ralentie, les mains sont quand même bien placées. Hein. Ah, heureusement, puisque l'Italien, lui,
enchaîne facilement des deux mains également, mais dans ce quatrième round, on peut dire quand même qu'Hermano Figatelli a pris un avantage. Oui, on voit, hein, il est un peu plus précis, il est plus appliqué et il arrive à toucher correctement et on voit, hein, il vise vraiment les petits trous et les petits espaces. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il arrive à placer ses coups, c'est super. Quand on regarde la morphologie des deux boxeurs, on a quand même un Devitis qui semble un petit peu plus compact. Mais sur le ring, ça ne se voit pas trop. On sent que physiquement, les deux boxeurs sont très présents et qu'Hermano Figatelli parvient quand même à équilibrer les échanges physiques. Oui, mais il faut savoir qu'en boxe, souvent, on a des gabarits différents. Hein. Donc, mais les gros frappeurs ne sont pas spécialement les boxeurs qui ont le plus de muscles. Non. Il faut toujours se méfier. Les coups précis font beaucoup plus mal. Ah, et encore un excellent enchaînement. Super, ouais. Il est passé d'un uppercut, du gauche, un coup au corps. Au niveau de la précision, Figatelli est une pointure au-dessus de l'Italien pour le moment. Oui, on le voit, il est bien bien appliqué. Hein. Donc les mains bien en haut. Et puis il travaille son petit jab. Non, c'est bien. Ce qu'il fait, c'est très bien. Ah, je pense que c'est une preuve d'intelligence chez ce boxeur de 22 ans. Il a déjà disputé une ceinture IBF Youth, une ceinture IBF Junior, on va l'appeler comme cela. C'était en Italie, une défaite au point face à Davis Boschiero, un boxeur italien vaincu. C'était en Italie, donc c'est toujours plus difficile, Patrick. Ouais, l'Italie, c'est vrai que il faut savoir aussi que quand on se déplace et qu'on va à l'étranger, on dit qu'on part avec, on va dire, un petit retard au niveau des points. Sans vouloir faire de polémique, en Italie, Patrick. Surtout en Italie. On a déjà vu des combats arrêtés pour des petites blessures. Mais quand même, je dirais quand même que la boxe en Italie, ça reste toujours beau. Ça reste un must, évidemment. Et là, évidemment, Hermano Figatelli a l'occasion de prendre sa revanche sur un autre boxeur italien, chez lui à Liège. Ah, le jab, un petit peu plus rectiligne du côté de Figatelli. C'est le premier à toucher, même si l'Italien essaye de remettre immédiatement. Allez, bonne remise encore. Ah, il a un petit peu poussé dans la nuque de l'Italien, mais c'est l'Italien qui a baissé sa tête. Exactement. C'est un petit peu ce qu'on appelle on truc un tout petit peu. Donc si vous passez votre tête un petit peu en dessous et qu'on a l'occasion de pouvoir pousser du coude, on vous pousse, ça fatigue un peu l'adversaire et surtout ça empêche l'adversaire de revenir. Ouais, de remonter avec un crochet, par exemple. De revenir avec un crochet. Voilà, le travail en uppercut lorsque l'Italien se penche vers l'avant. Il l'a bien compris, Hermano Figatelli. C'est une des solutions dans ce combat. Il y a toujours un petit peu de sang au niveau de l'œil gauche de l'Italien, donc on parvient à contrôler la blessure. Mais pas à 100% dans le coin italien. Là, on voit deux boxeurs qui sont décidés à vraiment aller chercher ce titre. Alors, on a dépassé la mi-combat et ça reste toujours un gros, gros duel physique avec un rythme très élevé. Oui, je donnerais quand même l'avantage à Hermano dans le sens où il a l'air un peu moins brouillon, il est plus appliqué, il est bien, voilà, on le voit, il travaille, il arrive à des enchaînements de 3-4 coups. Vraiment, il fait un gros, gros travail. Hermano Figatelli qui essaye de travailler en précision là où l'Italien veut passer en force. Je pense que c'est un bon résumé de la première moitié de ce combat. On pouvait évidemment douter de la capacité de Figatelli à subir la pression physique d'un adversaire, encore une fois, très compact. Eh bien, il répond superbement à cette interrogation, Figatelli. Et regardez, là, c'est lui encore qui prend le centre du ring et qui fait reculer l'Italien. Mais là, on voit quand même que les deux boxeurs ont trouvé un rythme de combat. Hein. Donc, depuis le début, ils sont, on va dire, tête contre tête. Et je pense que jusqu'au bout du combat, ils vont rester tête contre tête. Maintenant, c'est celui qui va être le plus précis, le plus malin. Là, pour l'instant, je dirais que Hermano est bien, bien dans ses gants, bien fermé. Petit avantage pour lui de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu... Vous l'avez dit en début de combat, c'est un 12 rounds. Ah, 12 rounds. Et c'est tout à fait différent, évidemment. 12 rounds, c'est toujours long. On est préparé, c'est comme à faire un marathon. Hein. Sauf que le marathon est couru à 200 à l'heure. Là, et il va falloir être résistant jusqu'au bout. C'est un marathon couru sur un rythme de demi-fond. Oui, c'est ça. Pour faire un parallélisme avec l'athlétisme.
Et du début à la fin, il faut rester très 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 attentif parce qu'un coup reste un coup, donc... C'est vrai. Et tout peut basculer à chaque instant. Avec une droite qui touche du côté de Figatelli. Et cette envie encore d'aller chatouiller l'Italien à mi-distance. Ce qui est super, c'est qu'on voit deux boxeurs, on les voit travailler à l'intérieur de la garde, on les voit venir sur l'extérieur, donc on voit vraiment une petite panoplie, c'est vraiment deux boxeurs qui, voilà, qui tête contre tête se recherchent. Là, il est toujours très très important pour l'un comme pour l'autre d'avoir les mains toujours en sortie de corps à corps bien levées parce qu'un coup arrive toujours. Ouais, super. Ah oui, ils réfléchissent pas, là, ils donnent. Hein, il y a vraiment un gros travail de la part des deux gars. Et on a deux boxeurs qui ne veulent pas reculer, qui ne veulent quasiment pas faire un pas de retrait. Non. Même si Figatelli le fait de temps en temps, et c'est tant mieux. Hein, pour éviter évidemment les dures rentrées de cet Antonio De Vitis, champion d'Italie. Alors un petit coup de fatigue peut-être dans cette reprise, même si on cache quand même sa fatigue. Il faut savoir quand même qu'on est à la 8e reprise, donc là il y a ce qu'on appelle, pas dire un deuxième souffle, mais des souffles qui s'enchaînent. Donc on accélère, on récupère, on réaccélère, on récupère, on réaccélère encore. Et là on a un petit peu de temps encore, donc voilà. Dans des combats de longue haleine, Patrick, on voit parfois des boxeurs qui laissent passer un round pour pouvoir récupérer, pour pouvoir être plus performant dans le round d'après. Ici, on a l'impression que c'est pas possible. Non, on peut pas laisser passer un round. Ils peuvent pas laisser passer. Ils sont obligés d'aller au contact parce que si on laisse l'adversaire continuer à avancer, lui, il va donner deux fois plus de coups. Voilà, il va profiter de chaque faiblesse de l'adversaire. Non, là, il faut aller jusqu'au bout et espérons pour Hermano qu'il a vraiment bien soigné sa condition. Et je pense que quand on le voit là, je pense qu'il est bien. On parlait de fatigue, c'est normal. À la 8e reprise d'un combat aussi rythmé, on le voit sur son visage. On peut avoir certaines interrogations comme ça pendant un combat, Patrick. On se pose des questions. Ou alors, par exemple, des fois, il y a un petit coup qui est passé qui vous a fait mal. Donc, on a besoin d'un petit peu de récupération. Et pourtant, en général, on ne peut pas montrer qu'on a mal en boxe. Ah, on ne peut rien montrer. Si vous montrez que vous avez mal, alors là, que l'adversaire le remarque ou que le coin le remarque, là, on devient l'oiseau pour le chat. Alors, 10e reprise. Et c'est là évidemment que la préparation va payer pour l'un ou pour l'autre. Et on peut dire qu'à ce moment-ci du combat, il y a toujours un petit avantage pour Figatelli, pas énorme. Hein, ah, quand même, de quelques points. Techniquement, on voit quand même que techniquement, il est un petit peu plus précis. Donc je lui donne quand même un avantage. Un avantage, mais il doit quand même terminer le combat. Ah, il doit aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas se permettre de perdre les trois dernières reprises. Attention à la droite, ah, petite droite qui est de l'Italien. Ouais, il est bien couvert. Hein. Ouais, il a pris quelques coups dans les gants. Et on entend son coin lui demander de bouger. Mais le tempérament de Figatelli le pousse quand même à rester en face de l'Italien. Ouais, De Vitis, on voit, il a décidé de ne pas lâcher et continue à avancer. C'est superbe à voir parce qu'on voit vraiment les boxeurs qui vont aller jusqu'au bout de leur engagement. Et voilà, petite gauche et puis enchaînement derrière. Ça, c'est la clé de ce combat. On dit souvent qu'il faut être deux pour faire un beau combat. C'est le cas dans cet affrontement pour la ceinture de la communauté européenne chez les Super Plumes. Avec Figatelli qui accélère et qui enchaîne bien des deux points. Le petit uppercut en sortie avec le pas de retrait pour reprendre la distance et pour remettre. Et là, il reprend l'avantage dans cette 10e reprise. Ah, des garçons qui à l'entraînement sans doute ont donné beaucoup de travail parce qu'on le voit là, c'est la 10e reprise et le rythme est toujours très très soutenu. Alors il est présent au rendez-vous, Hermano Figatelli. On peut même dire qu'il dépasse un petit peu les attentes. Ah ouais, là on voit un garçon qui est bien appliqué et qui il se donne bien. Ça c'est beau à voir. Voilà. Allez, enchaînement. Entre les gants de l'Italien De Vitis. Enchaînement gauche-droite de la part de Figatelli. Ah, il ne faut pas se découvrir derrière. Hein. Le travail au corps, il a terminé par un crochet dans la région du foie l'Italien. Mais Figatelli ne s'en laisse pas compter. Ah, De Vitis, il avance, il continue. Et il est sur un rythme comme un marathon. Hein. Lui, depuis le départ, ils sont partis et voilà, ils ne se lâchent pas.
Ce qu'il y a dans les petits poids, les coups sont en général, pas dire qu'ils sont moins puissants, mais on voit moins de coups très très puissants parce que ce sont des petits poids. Mais c'est ça, les coups sont proportionnels à la catégorie, donc on est chez les moins de 60 kilos. Ceci dit, il y avait les gros frappeurs chez les moins de 60. Hein. On se souvient quand même de Jean-Marc Renard, on en a parlé un petit peu plus tôt. Quelqu'un qui avait, on va dire, l'habitude de se casser les mains sur son adversaire. Mais il était tellement puissant qu'à la finale, il se cassait les mains sur la tête. On l'avait vu avec Ben Rijeb à l'époque, un très très gros combat. Il a terminé avec les deux mains cassées. Donc il faut savoir quand même que quand on est blessé, ça doit être difficile. En plus, quand c'est aux mains, là où vous... une tête, c'est dur. Hein. Donc chaque fois que vous avez contact, c'est de la douleur, ça fait mal. C'est vraiment au caractère qu'on finit le combat. Alors, les meilleurs moments de cette reprise, avec encore un très très bon round de Figatelli qui termine là sur une belle droite. 11e reprise, Patrick. Et c'est un territoire inconnu pour les deux combattants puisqu'on va rentrer dans ce que l'on appelle les rounds de championnat. Oui, il faut savoir qu'on ne fait uniquement des 12 rounds que pour des titres. Donc, au niveau mondial, on va dire les championnats du monde, au niveau européen, championnat d'Europe. Pas au titre, pas au niveau belge, hein. Ça c'est en 10 rounds toujours. Voilà, au niveau belge, de toute façon, les championnats de Belgique sont faits en 10 rounds. Donc il n'y a que vraiment les internationaux qui arrivent à faire des 12 rounds. À l'époque, on faisait des 15 rounds. Hein. Ils ont diminué un petit peu pour sauvegarder. Pour raison de sécurité, évidemment. Et toujours le coin liégeois qui demande à Figatelli d'être mobile et de travailler avec son jab du gauche. Attention à la droite qui est passée. Il est un petit peu sur les talons, mais il récupère très vite. De nouveau un petit travail au corps. Ah, on sent que Figatelli est sans doute plus fin techniquement dans sa boxe, mais il a un gros tempérament. Et c'est un petit peu... un combat qui dispute à la fois sur ses qualités techniques, mais aussi avec l'envie de ne pas vouloir se laisser bousculer par l'Italien. Oui, et donc rester au contact. Je pense qu'il a un adversaire qui lui remet vraiment bien l'appareil, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, qui cherche à tout prix à travailler, qui continue à aller et marcher de l'avant. Voilà, et qui arrive à toujours passer des petits coups. Il est moins précis, c'est peut-être un petit peu ça qui fera la différence. Maintenant, c'est pas facile à gérer un adversaire non, comme non, ça. Non, c'est hein. Très difficile. Puisque même en corps à corps, voire dans les accrochages, il parvient encore à passer un bras d'Evitis pour pouvoir aller toucher. Ce ne sont pas des coups qui font trop mal, mais c'est quand même pas gai. Non, c'est toujours. Ce sont des petits coups qui passent et qui vous usent, Donc à la fin, voilà. Il faut toujours bien rester appliqué parce qu'on ne sait jamais le coup, même s'il fait pas mal, un coup qui vient sur la pointe du menton, c'est toujours un coup qui peut rester dangereux. Mais ici, on voit tous les deux bien appliqués. Je vois Hermano quand même qui est. Ben en ligne, là par exemple, une petite droite. Ça, c'est la fatigue, hein. C'est la fatigue. 11e reprise. On est moins lucide, moins frais, avec des réflexes un petit peu émoussés. Mais il est coupé maintenant à l'autre œil, visiblement, Devitis. Coupure à la première reprise à l'arcade gauche. Et là, c'est l'arcade droite qui est ouverte. Alors, on n'a pas vu si c'était sur un coup de tête. Ah, le bon crochet du gauche, il était sur les talons, Devitis. L'accélération, il reste un petit peu plus de 20 secondes. Ah oui. Superbe petit crochet et on voit, hein, là, on voit la fatigue dedans, on voit vraiment que c'est la fin de combat. Donc ils ont envie de tout donner, mais de l'autre côté, il faut encore toujours réserver un petit peu quand même son énergie pour pouvoir continuer vraiment le sprint final. Ah, il n'a pas réussi à vraiment enchaîner derrière ce crochet gauche qui a mis en difficulté l'Italien. Superbe run de nouveau. Alors si on sentait qu'en début de combat, il n'y avait pas vraiment de danger pour les deux boxeurs sur les touches. Là quand même, avec la fatigue, avec le manque de lucidité, il y a des coups qui portent encore plus. Et là quand même, il y a un petit danger des deux côtés. Hein. On peut encore avoir un KO dans la 12e reprise. On peut toujours, mais je dirais que le KO viendra sur un coup, je dirais plutôt anodin et assez précis. Parce que là, il y a tellement de coups qui se sont échangés que les deux boxeurs, on va dire, sont déjà vraiment bien chauds. Donc ils acceptent les coups, ils vont au contact. Maintenant, c'est juste une question de résistance. Et là, ça va être le dernier round. Ah, là, je pense que les deux vont vouloir faire un gros round. Malheureusement, pour Figatelli, le crochet gauche n'était pas très précis. Il est plutôt arrivé, on va dire, sur la pommette. Mais c'était une très belle manière de sortir les cordes et de renverser la situation sur cet échange-là. Alors, la 12e et dernière reprise.
Là, c'est quand c'est la dernière reprise, surtout en 12 rounds, là, on a un petit plus. Hein. Là, on veut à tout prix, en général, aller la gagner. Quand on mène au point, on est plus attentif, parce qu'on mène, bien sûr. Mais quand on est mené, là, on donne en général tout pour pouvoir... C'est ça, il n'y a plus aucune retenue. Il n'y a plus aucune retenue. Donc là, on risque de voir quand même un beau round. Et puis, on sent que la délivrance est proche. Donc, au niveau moral, on a un petit plus également. Un petit plus, oui. Et là, maintenant, le combat est quand même très équilibré. Donc, tous les deux savent qu'ils doivent à tout prix gagner tous les rounds. Donc, ce round-là, sûrement... Même si Figatelli a sans doute encore un avantage pour sa plus grande précision dans le combat, il ne faut pas laisser passer le dernier round. Non. Voilà, petit gauche de nouveau. Beau petit travail. Hein. Je dirais que Figatelli, dans ce combat, a quand même boxé intelligemment parce que c'est souvent lui qu'on voit placer ce petit gauche, qu'on voit placer le petit coup qui fait la petite différence à la fin. Ouais, avec une remarque peut-être, on l'a souvent vu aller au contact à mi-distance, voire encore à corps. Et on se demande jusqu'à quel point il n'est pas encore plus efficace lorsqu'il est un peu plus mobile, lorsqu'il travaille bien avec son bras gauche. Ouais. Comme ici par exemple, où il a fait le pas de retrait au bon moment, hein, Patrick. Mais c'est toujours difficile, hein, parce qu'en face de lui, il a quand même Devitis qui a décidé. Voilà. Il se place, tout de suite marche en avant et il vient en contact, il n'arrête pas. Donc c'est très difficile, on va dire, de continuer à tourner autour d'un adversaire qui a décidé d'aller au combat. Il y a des moments où de toute façon on va devoir s'arrêter, mettre ses pieds bien au sol et aller au contact. Ouais. Maintenant, quand on utilise bien les jambes, c'est vrai que c'est beau. Et on peut à distance, on va dire, gagner son combat par des petites touches, donc des jabs, des petites droites en contre. Donc, et ça, ils enchaînent bien. Mais là, ici, on voit, hein, les deux boxeurs sont, on va dire, tête contre tête, mais sont vraiment très proches. Ouais, superbe enchaînement de nouveau. Là, on vient de voir une série de trois et une série de trois juste derrière, donc deux, trois coups. Un petit coup au corps. Ouais, c'est là qu'il faut évidemment serrer le protège-dents et donner ses dernières forces dans une véritable bataille qui dure depuis 12 rounds. Et attention à la droite qui est passée au-dessus du bras gauche de Figatelli qui a parfois tendance à baisser un petit peu les bras. Là on le voit quand même sur son dernier round, on les voit quand même tous les deux. Hein. On voit les coups un peu moins portés, on va dire, un peu moins puissants. Voilà. Ils vont devoir vraiment aller chercher au fond d'eux-mêmes. Ouais. Les coups sont moins spontanés, hein. On a plus tendance à les forcer, à aller un petit peu pousser les bras et les épaules. Ah ouais. Devitis aussi, il sent qu'il doit aller gagner ce round. Ouais, et de préférence avant la limite, mais il reste quelques secondes. On va donc aller au pointage dans un très très beau combat, Patrick. Superbe combat. Hein. Tête contre tête, du début à la fin, c'était magnifique. Du très beau spectacle au Country Hall de Liège avec le boxeur local Hermano Figatelli qui en a sans doute fait assez pour l'emporter, Patrick. Ah, moi je lui donne l'avantage. Il est un peu plus précis, un peu moins brouillon. Voilà. Son travail était plus clair que celui de l'Italien. Et superbe. Alors là, décision dans quelques instants. On le voit quand même, Devitis, hein, c'est bien marqué. Hein. De ce championnat coupé de la aux deux arcades. Européenne. Pour l'arbitre, Monsieur Toupin. Hermano Figatelli, 115. Antonio Devitis, 113. Deux points d'avance pour Figatelli. Moumer, pour le premier pour juge. Pour l'Allemagne, Hermano Figatelli, 114. Antonio Devitis, 114. Voilà, un arbitre qui donne, un juge plutôt, qui donne 6 rounds de chaque côté. Donc partage, attention, le dernier juge sera décisif. 116 Antonio pour Figatelli. Devitis, 112 4 points d'avance et Hermana Figatelli qui devient Figatelli champion de la communauté européenne par deux voix contre un partage. Ah, moi je dirais mérité, hein, quand même. Les deux boxeurs nous ont montré quand même une belle joute. Et quel beau parcours pour Hermano Figatelli, champion de la communauté européenne à 22 ans. Des super plumes, bah, c'est une superbe catégorie. On nous trouve notamment le champion d'Europe, Alex Arthur. Mais on y trouve aussi des boxeurs comme Manny Pacquiao, Juan Manuel Marquez, Marco Antonio Barrera. On
retrouve les deux boxeurs dans le vestiaire, le respect entre les deux hommes. Et Hermano Figatelli va nous donner ses premières impressions après ce très très beau combat. Allez. Hermano, félicitations, cette ceinture-là tu l'as bien méritée. Je la voulais, j'ai travaillé pour, normalement je devais aller en Espagne, chaque fois c'était reporté. Puis à force d'augmenter avec mes entraînements, je sortais à coup de fatigue. Mais ça va, j'ai tenu quand même. Après un mois et demi d'entraînement, je suis content, je suis heureux. Parce que je remercie tous mes entraîneurs, ma famille, ma copine qui me soutient. Parce que quand je suis à l'entraînement, c'est quasiment tous les jours, deux fois par jour. Et elle supporte ça et je la remercie.